Jodi anse jodi, 20 juyè, mwen sal o zami, mwen konten pou mwen seman avèk ou. Pou nou mwen ansan, yon lot porsyon nan etude semen nan. Pabliye, semen nan, etude lanse katriyem nan, koman diyo nou sov, etude et semen nan, montre nou ki tatative ki bon diyo li mèm li fè pou kapap sove nou, ki mwen ki bon diyo itilize ki sal fè pou kapap sove nou. Se tem sa nan ap devlopè pa da semen nan. Men jodi an nou pabliye ansan, sove mètenan par diyo. Sove mètenan. par Dieu. À nous prier. Papa, nous qui sommes dans ciel-là, nous faisons louange pour vous, nous bénissons parce que vous méritez ça. Merci parce que vous faites un pile tentative, vous utilisez un pile moyen pour être capable de racheter une malédiction péché. Merci pour toute bagage que vous faites pour nous à travers Jésus. C'est-à-dire que encore jeudi, nous venons pour nous considérer ensemble dans notre pension dans cette petite semaine. Bah, nous espérons clair, au Dieu. Comme ça, par va... Entrer dans l'esprit nous va comprendre et nous va mettre parole sur la vie, car nous, nous avons hérité de volonté. Merci parce que temps nous. Dans Jésus, nous prions. Amen. Zabim, et moi remercie vous pour la fidélité, pour l'effort que vous m'avez fait jour après jour pour être capable étudier la parole, bon Dieu. Et surtout à travers le guide d'études de l'école du sabbat. Mais ben, pas oublier chaque fois que vous étudiez plaisir, c'est toujours... Motive ou, ankouraje ou pou pataje etude sa vek ankouraje ou pou ankouraje plus moun kapab etude, menm jansama avek ou etude an ekol du sabak. Soubat kwa abone, avek platform nou yo, nabdou fes akoun ya, epi alankouraje lot moun rejwen nou nan aktivite sa. Semennan nou apdevopi ansam, kateryem etude nou ki genye kom tem, Koman Diyo nou sov, e ven se a memorize, Men Diyo ki e riche an mizerikod, an koz du gant amoun don il nou za eme, Nous qui étions morts par nos offenses nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 5, qui est le texte que nous nous, avons dans -nous durant l'étude de la semaine. Ça. Jeudi assez, jeudi 20 juillet. Sauvés maintenant par Dieu, un thème que nous allons développer ensemble. Nous allons lire un texte que nous avons dans l'init semaine, qui est Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 10. E nou pral koncentre nou sou konklyzyon ki Paul fè nan verset sa. Se dase nan verset 8 an 10. Nou pral gade ki pouan kel sou liye nan konklyzyon pa sa e sa. Men na aprive nan verset 10. Men ou final nou pral koncentre nou sou verset 8 an 10. Anou ale. Vos ete mor par vos ofanse e par vos peche. Dan lekel vou manche autrefwa selon le tren de se monde. Selon le prens de la pwysans de l'air. de l'Esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. kar nou som son ouvraje, eyan ete kreye an Jezoukris pou de bon zov, ke Diyan aprepare davans, afen ke nou le prantikyon. Ebyen, nou sot li teksa, e nou konen teksa byen, sotou fin teks la, e nou konen teksa pa kyor. Ben, nou efèzèm dè versè, ena to, Paul baye pouèv ki salu kwayan yo an efèz, di pa vini akos de bon konduit yo, Ou bien de kalite ki yo men yo te genyen Lorske Paul te komanse lakonte nou istwa Efesien yo Li te montre nou se de moun spirituelman ki te mouri Li patwè la ka yo yon, yon, yon etensel de vi Ou bien li patwè la ka yon moun sa yo okay? de, de valeur Yo te kompletman venku pa le peche Se da di peche te genyen nan la vi Efesien yo Yo pat fe poev de okun inisiyatif versonel, men nouwe yo te kondu par santa lu mem, par propansyon yo, e prop ilijyon matal yo. Se sa, nou te wad nan Efesien 2 verset 2 a 3. Bo soti nan verset 1, bo ven nan verset 3. Se la dir, moun sa yo outre fwa yo te mounri spirituelman. Se sa, nou te gete an wè atervet ek sa. San ke Efesien yo bat konen, Et tu une situation qui est bien pire que l'effet d'être simplement sans vie spirituelle ni vertu. Même jean à toute l'humanité entière, eh bien, est ennemi de vrai Dieu. Et vous te chaque jour vers, vers le jour destiné au jugement divin. Chaque jour, il eh bien marché eh plus loin, bon Dieu. C'est-à-dire, Par rapport jan yo viv, yo te bem exerse de bem prop jujman sou yo te bem atire prop jujman bon diyo sou yo. E ben, yo sete de zanfan de koler kom les ot. Se kon sa e feze yo men lite yo. O liye pou yo baze sou prop kalite yo men nou e salu ya li baze plito sou l'amou ineksplikab de diyo. Yon l'amou ki pa kapab eksplike yo Sous base d'aucune valeur intrinsèque que l'amour lui-même. Eh bien, étant riche en miséricorde et en, et, en amour, bon Dieu agit en faveur, en faveur d'Éphésien, eh bien, en Jésus-Christ. Il ressuscite de la mort spirituelle qui a été trouvée. Eh bien, grâce à l'intervention de Dieu, pour peut faire expérience d'un itinéraire étonnant qui suit la trajectoire de Jésus lui-même de l'extrême profondeur de la mort spirituelle totale et de l'esclavage écrasant, ils ressusciter et yo transporter vers les lieux célestes et ils pourront avec Christ sur le trône cosmique. C'est-à-dire, nous, Éphésiens autrefois qui étaient morts spirituellement, eh ben, nous, Jésus pour vivifier, Jésus pour faire, et eh bien, les habitants d'Éphésiens, puisqu'ils ont été acceptés. Eh bien, Jésus pourrait le faire revivre sur le plan spirituel. Et il pourrait le ressusciter sur le plan spirituel. Il pourrait aller transporter vers les lieux célestes. Et il pourrait aller avec Christ sur le trône cosmique. Cependant, l'intervention divine, ça, lui avec un éclair. Et ce n'est pas un phénomène momentané. Ce n'est pas que des gens éclairent, on bagaille par ces femmes, et puis ils disparaissent. Non, ce n'est pas ça. Ok elle a une réelle force de persévérance. et une durabilité éternelle. Parce que Dieu a l'intention de montrer grâce envers Ephésien en Jésus pendant toute l'éternité. C'est plein bon Dieu. Plein bon Dieu, c'est pas fait en bagaille pour un petit grâce, un bagaille momentanément. Mais plein bon Dieu, c'est manifesté grâce envers nous pour toute l'éternité. C'est-à-dire. Bon Diyo vle rachete nou vreman. An ba malediksyon peche. Se sak fe li akorde nou Jezi pou kapab realize plasa. Se lade pou Bon Diyo sove nou. Ki sa Bon Diyo fe, Bon Diyo baye Jezi. Se lade Jezi peye konsekans nan pou nou pou ke nou kapab genye la vi sou. Ebe nan konklyon e teksa nan Efesien 2 versen 1 an 10, soti nan versen 8 pou ven nan versen 10, Paul pral retoune sou suje sa. Paul vle rassure. Okay? Paul vle sa entre dan l'esprit efesyen yo. Ke salu ya, se pa yon bagay ki yomen. Men le salu li divin. Se travay bon die. Pa gen anye mwen men. Ou men. Ou be nen pot lot kwayan te kabab fev ou kabab gen la vie etenel. Men tout sa ke nou beneficye yo kom salu. Tout vient de Dieu. Le salut, il n'est pas venu de nous, en don, bon Dieu. Aucune, aucun être humain pas capable de vanter tête pour dire, bon, il a mérité ça, lui, à par rapport avec ça qu'il a fait. Étant bénéficiaire de la grâce de Dieu, nous même en tant que croyants, nous sommes manifestations de grâce, bon Dieu. Et seulement grâce, mon Dieu. Nous sommes ouvrages, bon Dieu, créés par lui en Jésus-Christ. C'est-à-dire, moi-même, moi, avec vous. Comment bon Dieu sauve-nous? Bon Dieu sauve-nous par grâce à travers Jésus-Christ. Pas de rien, de rien, absolument rien. Que moi-même, ou même, ou bien n'importe de l'autre croyant capable de fait pour gagner la vie éternelle. Réflexion journée qui ça dit. Pourquoi est-il si important pour nous de comprendre que notre salut vient de Dieu, n'est pas basé sur notre valeur ou nos propres efforts. Pourquoi est-il si important pour nous de comprendre que notre salut vient de Dieu et n'est pas basé sur nos propres valeurs ou nos propres efforts Ça, c'est une bagarre pour nous comprendre. Mais après, dit encore, pas de rien absolument, rien que nous sommes capables faire en tant qu'humains pour être capables de gagner la vie éternelle après avoir finit péché, après que nous fin héritier le péché. Eh bien, nous avons sauvé. Atrave le sakrifis de Jezu a la kwa. Si nou akseptil. Nou persevere la den. Nou iti la malgre tout si konsens bon ou mouvez. Ki nou mouvez. Ki nou kapab. Ebyen. Eh Kone. Ebyen eh si atrave sa nan kapab gen la vit en el. Mwen sonje sa. Pa gen anyen. Absolumen rien. Ki moun men ou men. Ou nipot lot moun kapab fe. Pou nou iriti la vit en el. Ki solman aksepti. Ça Jésus fait pour nous et persévérer là dedans. Je vous dis à ce jour, 20 juillet, nous d'abord sommes sauvés maintenant par Dieu. Papa nous qui dans ce ciel là. Nous remercions pour la parole. Merci parce que vous sauvez nous sauvez par grâce. Merci parce que par rien capable fait pour que nous être capable de sauver nous. Mais heureusement dans l'amour et bien ben, nous Jésus et bien à travers Jésus nous avons la vie éternelle. Merci au Dieu et de nous pour que nous soyons capables d'accepter Jésus persévérer dans Jésus, gagner foi dans Jésus pour nous capables de jouir bénédiction sans fin que vous avez pour nous, qui c'est la vie éternelle, une vie heureuse pendant toute l'éternité. Fais grâce encore une fois, pardonnez le péché, nous sauver nous Dans le Jésus, nous prions. Amen. Déjà, je monsieur, au une très bonne journée, bonne étude et à la prochaine.